Bienvenue dans ce vlog semaine. On va partir voir Mozart, le Requiem de Mozart, le Basilique du Sacré-Cœur. On est dimanche, hein. Et c'est à 17h et je sais pas combien de temps ça dure. Mais ça va être sympa. Je vais voir si je filme mes larmes, puisque le Requiem c'est triste. Alors, Mozart, l'opéra rock. C'était très bien, tu vois, ça a duré une heure comme je t'ai dit. Hein. Ouais. Mais alors, les deux malus. Le premier, on n'entendait absolument pas assez tout ce qui est violon. Mais c'est même pas être au fond, c'est qu'il jouait pas assez fort. On était bien. Il jouait pas assez fort. Ah, on est bien de l'autre côté. Et le deuxième, et c'est bien que ce soit mon doigt du milieu, c'est attention, on va traverser. Si vous allez voir un. Ce genre de truc, c'est-à-dire où il y a un concert philharmonique, symphonique, tout ce que vous voulez. Arrêtez d'applaudir entre chaque morceau. Ouais. Vous attendez la fin. On attend la fin, ça se fait pas. Ouais. C'est insupportable d'avoir... Oula, le soleil. C'est insupportable d'avoir la fin d'un morceau et tout le monde qui applaudit. C'est nul. Vous ouais. Attendez la fin, que tous les musiciens se lèvent. C'est là que ça veut dire que mais c'est oui, fini. Salut, tout ça. Voilà. Dans une pièce de théâtre, vous applaudissez pas entre chaque acte, hein. C'est à la fin qu'on applaudit. Je trouve ça très mal poli et c'était pas immersif. C'est mal poli, c'est mal poli. En tout cas, c'était beau. Voilà, parce que le Requiem, ça m'a toujours. Il manquait le côté un peu immersif, vraiment émotion, enfin voilà. À cause encore une fois de l'être humain. Bref, bah plus tard. Hein. Bien, oui. Comment ça se fait? Eh, on s'est pas vu de. Depuis Mozart, je suis avec René. Salut. Et Clémence. Et ça. Il n'y a pas Émilie parce qu'elle révise le bac et elle a bien raison. Et ce soir, nous voulons faire une recette végétarienne, non? Qui est le pain hérisson à partager. Très bien. C'est tellement beau le partage là. Bon, ben coudonc. Bon, il faut. C'est un peu particulier. Elle a foutu une balle. Elle est pas contente. Là, quand elle a passé chaleur, c'est une saloperie. Hein. Et c'est tonton. Oula, elle te regarde méchamment. Hein. Elle t'attaque toi. Hein. Ouais, là, elle va te taper au visage si tu la gardes. Oh, oh le défi. Mais dis bonjour aux internautes. Je suis plus poli que toi, ok? Arrête. La baffe. Ah bah bravo. Oui, c'est mathématique. Ouais. Il s'agit de couper comme on voudrait faire des sticks dans une pastèque en fait. Hein. À peu près 1 cm d'espace dans un sens et 1 cm d'espace dans l'autre, d'accord? De sorte à faire un fabuleux hérisson. Merci René, merci beaucoup. Oh! Ah oui, regardez, c'est assez affreux. Bon, et sinon, nous, demain, on va chez le coiffeur avec Félix et René à 3, là. Parce que là, le trio. Ah, il y a longueur, là. Ouais, il y a longueur aussi, là. Et ça va pas du tout. Ouais. Ça, c'est une très grande frustration, tu sais. En quoi? En tranche très fine. Faut le dire combien de fois? En tranche très fine. Et c'est pas parce qu'il y a le vlog qu'il faut faire la maline. Hein. Alors, en tranche très fine. Une mozzarella de bufala. Super. Qui va servir à être fondu. Super. Et moi je vais mélanger. Comme c'est beau. Clémence, filme ce que fait Clémence. Qu'est-ce que fait Clémence? Je mélange une cuillère de pesto, une grosse cuillère de pesto avec du parmesan. Le parmigiano reggiano. Il pesto et du parmigiano. Ma che bella. Là je vais avoir des commentaires. Excuse-moi, je suis italien, mais ça se dit pas comme ça. On t'a vu? Non. On t'a vu. Ah, attention, je vais mettre sur le sopalin. Hop. C'est trop bon. Putain, merde!
Mais bah, t'imagines fondant dans le pain, disposons. Ça va être trop bon. Non, c'est du gâchis. Nous disposons la mozzarella sur le sopalin hein, pour ceux absorber qui sont toute humidité. Italiens et qui ont des racines italiennes, dites un commentaire. C'est pas du gâchis de personne. La mozzarella pure. Elle est moins bonne que celle qu'on a appelée l'autre fois. Non, elle est pas moins bonne. Elle est pas moins bonne. Elle n'a même pas pris le temps d'absorber le papier sopalin. Enfin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah si, le pain mouillé, le pain mouillé, moi j'aime pas. Mais ça, ça va sécher dans le four. Bah alors pourquoi on devrait l'essorer la bouboule? C'est au cas où ça soit détrempé. J'espère que tu t'es lavé les mains avant. Bah oui. Et là, t'aurais dû pousser un peu plus sur la gauche. Très bien. J'adore participer à vos engueulades, c'est génial. Ensuite. Bah dans l'autre sens maintenant. Dans l'autre sens maintenant, nous allons mettre du pesto. Il n'y a pas assez de fromage enfin. Bon, et puis ce sera 15 à 20 minutes sur du papier cuisson ou dans un moule comme nous avons fait ce soir et on se retrouve pour la sortie du four. Alors voilà la tête que ça a. Donc comme je le pensais, en fait que ce soit de la mozzarella, ça n'a pas beaucoup fondu. Moi je pense que c'est pas le bon fromage puisque la mozzarella je ne l'ai pas vue coulante. Alors du coup forcément quand tu tires, bon ça se détache parfois mais la mozzarella... Mais c'est bon ou pas? Ben, c'est bon avec la mozza, ouais. Ça y est, je suis prêt. Je vais chez le coiffeur. Go. Robert Downey Jr. Bon, on va manger ensemble après, alors, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, regardez. Attends, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Il est beau, hein. Enfin, ça te va bien, ça te va bien. Merci Hervé. Ouais, il est bon Hervé, hein, bon. On m'appelle à ce moment-là, bien sûr. Ah, bah c'est pas vrai, il y a le temps. On va manger en ville un peu, avant que j'aille au travail. C'est pour ça qu'il y a mon vélo derrière. Alors on se retrouve là-bas, un petit burger, un taco, on sait pas vraiment. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, René? 131. Yes, qu'est-ce que c'est de 131 lits? C'est ce que j'ai fait, parce que je suis un burger, c'est écrit pop dessus, c'est un signe, faut qu'on aille aux 7 royaumes, René. C'est écrit pop. C'est écrit pop. Tu connais? Non. Et moi j'ai très faim et on va manger et après je vais tourner l'heure du thé au cul-d'art. Voilà. À tout à l'heure. On mange. On mange. Voilà. Oh, oh. Regarde ce que tu rates, Félix. Oh, oh, oh. Félix, il n'est pas venu, mais c'est parce qu'il peut, il mange plus très gras du coup maintenant. Mais il a raison. Mais nous, on s'en fout, hein, on s'en fout, René. Dr Pepper. Il paraît que c'est bon. J'ai goûté une fois, j'ai pas trop aimé. Moi, j'ai goûté beaucoup de fois, j'ai toujours aimé. On dirait David Lafarge. Bon, allez, bon appétit. Regardez. Bon, moi, je me suis acheté ça et ça. Et René, il m'a copié. Mais non. Dovahkiin. Dovahkiin, Dovahkiin. On dépense, putain, rien, je brille. Bon, allez, faut aller travailler. Des acheteurs compulsifs. Des acheteurs compulsifs. On va travailler. Putain, il fait chaud dans la voiture. Ouais. On a bien bouffé, on est bien full. Maintenant, il faut aller bosser, hein, ça va maintenant. Il y en a, ils vont aller mettre leur propre place. Comme le dit ma montre, save the oceans. Bref, on était en train de faire à manger avec la loutre. Et puis j'ai pas vlogué, mais j'aurais bien voulu, c'est dommage parce que ça a l'air très très bon. Ce sont des beignets au brocoli avec du fromage et de l'oignon. C'est très simple, vous faites une pâte à choux et dans la pâte à choux, vous incorporez une purée de pommes de terre où il y a de la patate aussi. Une patate écrasée quoi. Voilà, ensuite avec les mains on fait des boules et on met des brocolis dedans. Il y a du fromage. Ouais, j'ai dit qu'il y avait du fromage et c'est très bon alors. Voilà, de l'intérieur. Imaginez. Voilà, imaginez. Avec le brocoli, voilà. Non, c'est très très bon, il n'y a même pas besoin d'assaisonner trop. Sel, poivre, un petit peu. Il y a sel, poivre dans la pâte. Ouais. C'est bon. Non, c'est bon. Peut-être un peu de jus de citron. La cuisinière officielle végétarienne de la maison. Et pour ce qui est du gras, on s'est refait le camembert au sirop d'érable. T'as bien filmé dans le... Tu vois, c'est vraiment, vraiment très très bon ça. Avec le pain. Vous voyez. Vous le laissez dans son carton, vous le cuisez au four combien de temps? Il faut enlever le papier, hein. Oui, il faut enlever le papier, bien sûr. Au four combien de temps? Un quart d'heure, un petit quart d'heure. Un quart d'heure et ensuite on fout le sirop d'érable dessus. Attention qu'il ne se durcisse pas trop. Bon, bah comme vous avez dû voir tout à l'heure, hein, voilà les deux petites nouvelles. Heisenberg and Saul, good man, you better call Saul. Et puis bah là on va regarder justement Breaking Bad.
en mangeant. Hein? Allez, bonne soirée, à plus. A ciao ciao. A ciao ciao, hein. Salut, j'ai reçu une wood box. C'est quoi, c'est un gâteau? Ça a l'air très bon. Et ben on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Cool. Oui, mais toi t'aimes pas, mais moi si. Là on a un petit poupi pour Hippolyte. Regarde. Oh, c'est celui de... Non. C'est Mopiz. Une plaque Overwatch. Je sais pas trop quoi en faire de ça. C'est le badge anniversaire de Woodbox. Il est joli, hein. Enfin, c'est pas un badge, du coup, c'est un pins. Putain, mon pins Twitter, il s'est un peu pété. Fait chier. Et le t-shirt. Ah, il est sympa. Hein. C'est un beau t-shirt, c'est Zelda sur une moto, on dirait. Hein. Ah ouais, c'est ça. Voilà, ah, cool pour lui. Cool, Brown. Du coup, je bon, faut aimer. Oui, tu peux, oui. Faut aimer Game of Thrones, mais moi j'aime bien Game of Thrones. Voilà. Il y en a plusieurs des box. Hein. Il y a Itex, il y a Woot, mais c'est vrai, souvenez-vous, Woodbox, c'est chez eux que j'ai acheté. À seulement 25 euros celui-là. J'étais justement hier à un magasin de pop et j'ai vu le Songbird à 35. Donc 10 euros de plus quand même. Ça vaut le coup des fois Woodbox. Bon bah voilà. Allez là, moi je vais aller au travail. Je vais pas vlogger aujourd'hui puisque Clémence doit tourner. Je lui laisse ma caméra. On se retrouve ce soir. On fait une petite soirée chez les parents de la copine de René. Vu qu'ils vont en Écosse, ils veulent aller voir mon terrain. Donc je ramène tous mes papiers pour en papoter un peu avec eux. Ça va être cool. Bon, j'ai un peu la tête dans le cul, vu qu'ils font des travaux en bas de chez nous. Je sais toujours pas vraiment ce qu'ils font. C'est beau. Mais comme disait ma mère, ils font des trous et puis ils les rebouchent. Hein. Voilà. On a eu des colis ce matin. Chérie, elle a commandé un truc trop cool. C'est comment ça s'appelle? Un germoire. Un germoire. C'est celui que Colin, elle a dit. C'est qui? Et pourquoi pas Colin? Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est pour faire germer des graines dans des très jolis bocaux en verre. Ouais, ils sont beaux. Et tu vois, en fait, il y a une grille ici. Ouais. Tu les fais tremper. Ouais. Et puis après, quand tu as fait tremper une nuit environ, bah tu mets comme ça l'eau elle se évacue et ça ne dit pas, tu vois. Donc ça, j'ai. C'est cool. Et puis il y a plein de trucs avec, c'est normal. T'as plein de trucs que j'ai commandé, hein. Ah oui, ah oui, oui, oui. Des graines. Oh, ça va. Bah oui, mais bon, t'en as beaucoup, pas ça germe. Des graines. Bon, alors sinon, moi j'ai reçu des colis, mais je sais. Enfin, je sais. Je peux pas dire que je sais pas ce que c'est parce que là il y en a un où c'est écrit dessus. Mais on va voir ce que c'est. C'est bien ce qui était écrit sur la boîte. Moriarty with the crown. C'est dans Sherlock, regarde, il était tellement beau avec la couronne comme ça. Alors ensuite. Bon bah ça c'est du papier, hein. C'est du papier. Ça vient d'Australie, c'est pour ça. Alors ça fait longtemps que je les avais commandés. Je comprends pas pourquoi ils arrivent aujourd'hui. Je me souvenais même plus d'avoir commandé. Il y a Pepper qui m'avait demandé un jour. American Horror Story, voilà, et j'avais pris, voilà, je voulais le Dalek. Exterminé. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. Moi je vais à l'aquabike. Ouais, et puis ma mère elle vient l'après-midi, mais je vlog pas quand il y a ma mère. Et ce soir, on va boire un coup avec Brice Fournier, on peut sans doute à ce soir alors. Hey, comment on va? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de vlogs cette semaine, pourquoi? Je vous explique, parce que bon, hier, il y avait ma mère qui passait, donc je voulais pas filmer. Ce matin, je suis allé à Ikea, mais j'étais avec Véro et tout, donc je voulais pas filmer. Hier, je suis allé voir Brice Fournier pour boire un coup. Pareil, j'ai pas voulu filmer, je voulais que ça reste un peu simple. Bref, je peux au moins vous filmer ça. Voilà, il n'y a plus les pop. Elles sont toutes là, putain, j'adore en plus voir ça. Regardez, tout est en vrac là-dedans. C'est très lourd, il y en a plein. En fait, pourquoi? Parce que j'ai acheté à Ikea avec Clem ces grandes étagères là. C'est pour qu'à la fin, ça fasse un truc comme ça. Et du coup, on vire cette armoire, bah, y a déjà les trous, hein, voyez. Et du coup, hop, toutes les pop seraient sur une étagère, voilà. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'aime pas les bibliothèques en fait pour le rangement et l'affichage, on va dire, de ce genre de truc. Et voilà, du coup, la bibliothèque, elle servira vraiment à quelque chose d'autre. Faut que j'envoie la pop qu'une abonnée a gagné, là, dédicacée et tout. Faut que je lui envoie, parce que j'ai fait le tirage au sort sur Twitter. Bref, bah là, vous voyez, j'étais en train de finir ma pizza Domino's en regardant un film un peu chelou, mais qui avait l'air quand même sympa. Et je vous dirai pas lequel, parce qu'il va y avoir des commentaires enflammés. Et sinon, demain, samedi, midi, chinois.
Et demain soir, restaurant indien. Mais c'est la fin du vlog semaine en fait. Parce qu'on est samedi. Et vous allez voir que le vlog semaine prochain, il commencera normalement, je serai au resto indien. Mais là, ça se finit cette semaine. Si je suis tout seul à la maison, c'est parce que Clem, elle est de sortie. Et moi, je suis là, seul avec Hippolyte qui fait la fofolle. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce vlog encore une fois. Merci d'être aussi nombreux, bientôt 15 000 je crois. Je suis fatigué en fait, c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire. Fatigué, et il me faut des vis mollies. Parce que j'ai essayé avec des vis normales, mais vu que le mur il est poreux, bah, la bibliothèque elle s'écroule sur elle-même. Donc il me faut des vis qui vont dans le mur et qui s'ouvrent à l'intérieur du mur pour que ce soit bien solide. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, fin de vlog semaine, et puis on se dit à après-demain pour un Lady Story sur le blush, et à samedi pour un Curiosity sur les géoglyphes de Nazca, et sinon à lundi prochain pour le prochain vlog semaine. Bye.